Bonjour à tous, aujourd'hui un pas à pas en vidéo pour vous apprendre à réaliser cette petite boîte. Je l'ai réalisée à partir d'un pas à pas donné par Caroline Mistral, une démonstratrice Stampin' Up. Vous avez son adresse de blog qui apparaît dans le bas de la vidéo. Vous pouvez retrouver ce pas à pas en image sur son blog. Alors, particularité de cette petite boîte, son ouverture. Le couvercle ne s'enlève pas en fait, elle est faite d'un seul tenant. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir ici. Hop, pour vous montrer, je passe ma main à l'intérieur pour prendre ce qu'il y a dans la boîte. Pour la refermer, mais tout simplement, j'appuie et ma boîte est fermée. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette boîte. On pourra, par la suite, je vous mettrai sur le blog les mesures pour les faire un petit peu plus petites. Voilà. Donc c'est parti. Donc pour cette boîte, il va vous falloir une feuille A4 de papier cartonné, un crayon de bois, une règle, une paire de ciseaux, une perforatrice bordure, hein, pour faire le petit feston, si vous en avez envie. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est pas évident. Pour faire une petite bordure. Qu'est-ce qu'on a besoin? Forcément, du coupe-papier avec sa lame de coupe et puis sa lame de pli, du double face. Et je pense que ça doit être à peu près tout. Donc pour la taille standard proposée, vous allez prendre votre feuille de papier A4 et marquer, pardon pas marquer, mais la découper. Alors 21 cm, donc vous ne coupez pas dans le sens de la largeur, mais dans le sens de la longueur, vous coupez à 28. Voilà. Ensuite, vous prenez votre feuille en format portrait et vous allez marquer les plis à 5 cm. Et 20. Il va vous rester, si vous voyez bien mes plis, j'ai un pli à 5, à 10, à 15, à 20. Il va vous rester une petite bordure de 1 cm. C'est pour fermer notre boîte pour pouvoir l'assembler. Vous prenez maintenant en format paysage et vous marquez les plis qui suivent. Donc, vérifiez bien à mettre toujours votre papier en butée. 5. Alors, quand vous allez vouloir changer la taille plus tard de votre boîte, c'est entre cette mesure de 5 et 18 que ça va être modifié pour avoir la hauteur qui se modifie. 5, 18, 20,5 et 23. Hop. Alors, surtout faites comme moi, prenez votre temps pour vérifier que votre papier est bien embuté, que vous êtes bien droite sur vos mesures, parce que le moindre décalage risque de faire bloquer votre boîte au moment de l'ouverture ou de la fermeture. Donc ensuite, quand j'ai marqué tous mes plis, eh bien, je plie mes papiers au niveau de mes marques. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais prendre mon papier en format portrait. Hop. Vous allez avoir la languette sur votre droite, la petite languette de 1 cm sur votre droite. Et vous allez plier votre papier en partant vers le haut au deuxième pli. Comme ceci. Hop. Donc ce qui fait en bas, j'ai un premier pli à 5 cm, vous montez, vous avez un deuxième pli et vous pliez au troisième avec la languette qui reste sur votre droite. Ici, à chaque pli de 5 cm, vous allez marquer
Une petite marque au crayon de bois à 2,5 cm à la moitié. Donc si vous voulez le faire tout d'un coup, vous prenez votre règle et vous faites une marque à 2,5, à 7,5, puis 12,5 et enfin 17,5. De chaque marque, vous allez en diagonale marquer un trait jusqu'à l'intersection de votre pli qui suit. Ici, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai fait un point. Je suis allée jusqu'à mon pli en diagonale pour faire mon trait. La même chose à côté, je vais partir de mon point et je vais arriver jusqu'à l'intersection de mes plis. Alors, après, si vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas obligé de marquer vos plis, de marquer vos... Parce que ce sera pour des découpes, pardon. Vous n'êtes pas obligé de faire la marque. Là, c'est vraiment pour... moi, je vous explique. Hein? Puisqu'après, nous allons découper sur les plis. Donc, ici, je pars de mon point et je vais jusqu'à l'intersection de mes plis. En bas, à gauche. Là. Mon point, intersection de mes plis. Puis le dernier, ici, vous avez les plis, je ne sais pas si vous voyez bien, de la petite languette. Cette partie-là, on va le couper. Et on va couper les deux morceaux. On va laisser fermer pour pouvoir couper les deux morceaux. Alors, on prend son ciseau. Je pars de mon point, je vais jusqu'à mon intersection. Ici, je me mets sur mon pli, je vais jusqu'à l'intersection de mes plis. Voilà. Je pars de mon point jusqu'à l'intersection, idem, des plis. Et j'enlève mon triangle. Je continue. Là, c'est pareil, prenez votre temps parce que si les plis, les points, votre marque est mal faite, vous risquez d'avoir des problèmes quand vous allez vouloir ouvrir et fermer votre boîte. Dernier, sur l'intersection, on coupe toujours les deux épaisseurs, hein. On laisse bien le papier plié. Voilà. Et la dernière, ma petite languette. Ici. Ici. Tant qu'on a des ciseaux dans les mains, je pose ma feuille. Je pense que vous voyez, on le devine sur votre vidéo, vous le devinez. Ici, j'ai la marque de mes plis. Ici. Donc, je vais couper juste un coup de ciseau jusqu'à l'intersection de mon pli horizontal et de mon pli vertical. Ici, ici. Et là, je vais faire comme en haut, et je vais enlever toute ma languette. Quand on va avoir coupé ça, une fois avoir coupé ça, c'est pour faire la base de notre boîte, le fond de boîte. Donc je me mets bien sur mon pli. Hop. Et je coupe. Je plie. Voilà. Et le dernier. Vous voyez, si je laisse ma boîte comme celle-ci, comme ceci, si je la ferme, vous voyez que j'aurai ma base de boîte. Hop! Tout simplement. Alors, voici, une fois qu'on a fait les tracés, les plis et les découpes, on continue. On va plier en haut, alors vous reprenez en format portrait, vous allez replier le haut, mais attention cette fois-ci, au lieu de plier comme ceci, regardez bien, on plie au premier. On voit toujours nos triangles, hein? Et puis on aperçoit notre papier par le fond. Donc ici, hop. Petite étape que je ne voulais pas montrer avant tout ça, c'est de marquer, de faire le petit feston.
Alors, je prends ma perforatrice et on y va. Alors, toujours pareil, la perforatrice, vous voyez, la partie argentée, c'est votre marque pour votre repère pour pouvoir perforer à la suite vos festons. Ce qui permet d'avoir une ligne festonnée très régulière. Hop, donc toujours en butée et dans vos marques. Ici, je coupe en bout au niveau de ma languette. Je vais couper le petit feston pour éviter que ça me gêne pour le pliage. Et puis, je vais couper quand je vais replier en diagonale. Voilà. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous prenez votre papier, feston sur votre droite. Languette vers vous. Hop, ici, vous voyez mieux. Je plie à mon premier pli. Voilà. Maintenant, vous repliez la première partie avec les languettes sur la boîte. Nous allons mettre dessus du double face. Alors, le double face, on le met bien le long du pli. Ici, vous allez bien le mettre le long de votre pli sur la languette. Parce que le pli, le long de votre pli, c'est ce qui va être un des côtés de votre boîte, comment vous expliquer. Ça va être ici, en fait. Hop. Hein, c'est là où on relie la boîte. Où est-ce que je vais pouvoir vous montrer ? Ça se voit bien. C'est ce qui va fermer votre boîte. Je sais pas si... Non, on ne voit pas très bien la caméra. Donc, vous mettez bien votre double face. Sur votre languette. Et on fait la même chose sur le petit bout. En haut. Puis... Pour coller, on va commencer par la grande partie. Donc j'enlève la protection de mon double face. Et je viens coller, replier le haut pour coller sur mon double face. Alors attention, là aussi, prenez votre temps. Il faut que votre papier, vos plis soient bien alignés. Que votre bord de papier vienne bien se mettre sur le double face. Voilà. Sinon, vous risquez d'avoir une boîte collée de travers. Tout va partir de travers, vous n'arriverez même pas à l'ouvrir. Ni à la fermer d'ailleurs, dès le début. Ici, sur ma languette, c'est pareil, j'enlève la protection. Hop. Et je viens coller en bord. Hop. Voilà. Donc la structure de la boîte est faite. Je marque bien tous mes plis pour pouvoir après fermer par le bas. Alors une petite astuce. Ici, vous avez votre partie qui est collée. C'est pas souvent, c'est pas la partie la plus jolie. La plus jolie, ce sont les parties qui sont pliées. Donc, on imagine que quand vous allez ouvrir votre boîte, vous allez la mettre à l'arrière. Donc, cette partie collée, je vais la mettre à l'arrière. Ce qui fait qu'au niveau de mes languettes, donc la partie collée est ici. Cette languette-là, c'est celle que je vais mettre en dernier. Pour qu'on puisse avoir une belle finition à l'avant de notre boîte. Éviter d'avoir un collage épais. Et puis qu'on ait ça qui nous arrive devant la boîte, c'est pas très joli. Je sais pas si vous voyez, c'est pas très joli d'avoir cette languette comme ça. Il vaut mieux que la dernière languette, ça soit celle-ci, c'est celle qui sera sur l'avant. Donc ben là, pareil, soit si vous êtes plus à l'aise à coller avec de la colle, vous prenez de la colle. Le double face, ça fonctionne aussi très bien. Hop. Bon, là, rien de compliqué.
pour le début. J'ai oublié aussi tout à l'heure dans vos fournitures, n'oubliez pas du papier pour décorer votre boîte. Du papier design, des petites perles, du ruban, de la ficelle, enfin ce que vous voulez, tout pour décorer votre boîte. Donc là, je finis de mettre mon double face. Alors forcément, ça prend un petit peu plus de temps quand on n'a pas d'ongle. Donc ma deuxième partie, puis ma dernière partie. Alors pourquoi utiliser plus du double face que de la colle? C'est vrai que le double face c'est instantané au niveau du collage, la colle faut attendre un petit peu. Faut éviter de bouger. L'inconvénient aussi du double face, ben le fait que ça soit instantané, si on rate notre collage, on risque de déchirer le papier en voulant le décoller pour recommencer. Hop. Après, il faut travailler vraiment avec la fourniture avec laquelle on est plus à l'aise. Voilà, donc je viens fermer. Vous voyez ici, à l'arrière, on voit un léger décalage qu'on n'aura pas à l'avant parce qu'on aura bien la régularité du pli. Donc ici, j'ai ma boîte. Et puis ben maintenant, je n'ai plus qu'à appuyer pour pouvoir fermer. Hop, alors là, comme je vous le disais, hop, c'est ma petite languette qui est restée coincée. Voilà. Voilà, ma boîte est terminée. Donc, pour l'ouvrir, tout simplement, on le voit bien mieux qu'avec la boîte noire tout à l'heure. On tire, pour la fermer, on appuie. Il ne va plus me rester qu'à décorer. Donc, pour cette boîte, par exemple, la même taille, j'ai pris 4 rectangles de 4,5 cm de côté par 8 cm. Pour pouvoir en coller un sur chaque face. De la ficelle, une petite perf au cœur, on peut rajouter des petits brillants, une petite étiquette. Pour la déco, c'est à vous de jouer. Voilà, à bientôt !